Salut à tous, c'est Nefarem, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier épisode sur Subnautica. Alors, Subnautica, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'aventure, de survie et d'exploration. Donc je vous fais le pitch très brièvement. Nous sommes un équipage embarqué à bord d'un vaisseau spatial appelé l'Aurora. Et le jeu commence comme ça, c'est le drame. Explosion, dans tous les côtés, c'est la full merde. Il faut embarquer à bord d'une capsule de survie pour s'extirper du vaisseau. Et on atterrit au plein milieu de l'océan, a priori un océan infini. Et l'Aurora, quant à lui, s'écrase à quelques mètres d'ici. Voilà. La première chose à faire, survivre. Voilà. La deuxième, ça dépend comment on voit les choses. Si on s'en tient à l'histoire, ce serait, je pense, retrouver d'autres membres de l'équipage qui, comme nous, ont réussi à s'en tirer en utilisant une capsule de survie. Sinon, clairement, c'est farmer. Farmer des ressources pour améliorer notre équipement et pouvoir aller explorer toujours plus loin et toujours plus profond. Voilà. Maintenant, il faut savoir que j'ai déjà fait pas mal de choses dans ce jeu. J'en suis quand même assez loin. J'ai même été jusqu'à scanner le Sea Dragon Léviathan. Donc voilà, le Sea Dragon Léviathan. J'en ai scanné plusieurs. Voilà, pour m'amuser, j'avais envie, c'était marrant. Donc il y a eu plusieurs mises à jour depuis la dernière fois que je suis revenu sur le jeu. Hein. Déjà, l'interface n'était pas la même, c'était encore l'ancienne interface à ce moment-là. Je suis en version expérimentale, donc maintenant il y a un changement majeur, c'est que le cyclope est destructible. Ça c'est vraiment le changement majeur des dernières mises à jour, je pense. Le cyclope destructible. Oups. Hop. Voilà, qui est là le cyclope et qui lag de ouf. Merci. Donc, le cyclope destructible, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Difficile à dire. Je comprends pourquoi les développeurs ont fait ça. Welcome aboard, Captain. All systems online. Merci, John. Je comprends pourquoi les développeurs ont fait ça. C'est vrai qu'avant, quand on était dans le cyclope, on était invincible. Hein. Je veux dire, on pouvait aller partout sans absolument ne rien craindre tant qu'on est à l'intérieur. Par contre, je ne vois pas qui laisserait son cyclope être détruit vu le nombre de ressources qu'il faut farmer pour le construire, sans compter toutes les améliorations qu'on peut lui mettre, hein, tout simplement. Vous voyez, on peut l'aménager un petit peu comme on veut. C'était avant la base portative. Je pense qu'elle l'est toujours, mais je vois vraiment pas qui s'emmerderait à faire un cyclope avec énormément de choses à l'intérieur et le laisser se faire détruire et en reconstruire un. Je pense pas. À mon avis, tout le monde va charger sa partie pour ne pas le perdre. Hein. Voilà. Donc c'est le changement majeur. Je ne sais pas ce qui a été rajouté d'autre. J'avoue que je me suis pas renseigné là-dessus. Mais ce que j'ai prévu pour cet épisode, en fait, c'est voir si on ne peut pas faire avancer l'histoire. Parce que l'histoire est quand même assez sympa. Hein. Ok. Donc pour ça, je vais revisiter toutes les... C'est noir ! Toutes les capsules de survie que j'ai déjà visité pour voir s'il n'y aurait pas de nouvelles choses. Et pour ce faire, on va utiliser le Seamoth. Welcome aboard, Captain. Merci. Voilà, le Seamoth, il est magnifique. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon. Allez, on y va. Donc, welcome aboard, Captain. J'ai toutes les coordonnées sur moi. Alors par contre, les refaire dans l'ordre, ça va pas être possible, hein, clairement. Mais bon, allez, on va commencer par ça. C'est où ça?
C'est où ça, les gars? Donc là, il y a la valise. Hop, 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 c'est là-bas. Lifepod, crew request assistance. Ok. Allez, on est parti. J'adore ce jeu. Je trouve ce jeu magnifique. C'est juste là. Ok. Donc celle-là, c'est celle qui est juste ici. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a... D'accord, merci. Un autre PDA. Ok, donc ça, visiblement, je les avais déjà ramassés. Bon, la première est faite. Oups, ça aurait été rapide. Ok, suivant. C'est où? C'est loin. Capsule 17, l'équipage a signalé que la baie du Seamoth s'était effondrée autour d'eux. Ah merde, dis donc. Ouais, j'y vais en Seamoth parce que c'est plus rapide. Alors, par contre, 200 mètres. Comment ça, 200 mètres? Non, ça, c'est le stockage. Pression MK3. Ah, il y a encore ce bug, là. Ah là là. Ça, faut le corriger, hein, les gars. Alors, il faut savoir que le jeu est toujours en Early Access. Salut. Le jeu est toujours en Early Access, mais il y a déjà énormément de boulot qui a été fait dessus. Hein. C'est moyennement de l'Early Access, d'ailleurs, parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu. Par contre, c'est vrai que le jeu lag toujours quand même pas mal. Et il y a quelques bugs, hein, comme on peut le voir. Alors, je ne sais pas si... Alors, je ne sais pas si ces bugs sont présents sur l'autre version. Donc, qui n'est pas l'expérimental. Ah, doucement, doucement. Qu'est-ce que... Non, mais calme-toi, je vais t'électrocuter, dis donc. Alors... Il n'y a pas de capsule, ici. Il n'y avait pas une capsule qui était tombée pas loin. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées aussi dans ces... Dans ces trucs-là, c'est... Peut-être. Peut-être. On ira voir plus tard pour ça, hein. Donc voilà, capsule de survie 3. Où est-elle? Là-bas. 1 km. Allons-y. Oh, magnifique. Donc voilà, hein, l'Aurora qui est là. Ce vaisseau énorme. Oh, regardez-moi ça si c'est pas beau. Putain, oh putain, c'est beau, hein. Oh là 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 là, magnifique. Ah, magnifique. Le jeu est très très beau. Ok, l'équipage a signalé que leur siglide est endommagé. Quel dommage. C'est qu'un siglide, hein, les gars. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, tirez-vous. Pouvoir bosser tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Boîte de données. Merci. Qu'est-ce que ça fait? Un pilier. Y'a rien à l'intérieur. Un autre pilier. Ah, tout ça, j'ai déjà. Des fusées éclairantes. D'accord. Bon. Ouais, d'accord, je sais. Il n'y a rien qui a été rajouté là-dedans. Hein. Les données téléchargées, machin, non, a priori. Pas l'impression. Hein. Ok, capsule de survie suivante. Alors. Où est-ce? Là-bas! Non, ça va, c'est pas loin. Donc là, on est juste à côté de l'Aurora, là. Ouais. Wouhou.
aucun signe de vie. Investigation recommandée, bien sûr. Allons investiguer. Ah. Est-ce que je peux rentrer par là? Non, je ne peux pas rentrer par là. Mon Dieu. Là. La PDA. Ah. Integrating new PDA data. Nice. Ah. Creature decoy. Nice. Donc, il y a des nouvelles choses, hein. Seamoth, où es-tu, Seamoth? Viens là, Seamoth. Et je suis... Creature decoy. Attract creature to its location, can be deployed by any Seamoth, cannot be reclaimed. Oh, ok. D'accord, c'est pour les distraire. 3 titanes, fil de cuivre et pile. Ouais, ça consomme pas grand-chose en plus. Ok, ok, ok. Donc, hop. Suivant. Attends, c'est quoi? Capsule de survie 13. Allons-y. Achemine l'émissaire mongol Joshikasar. Allons-y. C'est loin. Ah, là, c'est quand même un peu loin. C'est... ouais, quand même. Quand même, là, c'est loin. Oh putain, c'est magnifique! Oh là là. Magnifique. Alors. Et c'est vide. Ouais. Y a-t-il quelque chose en bas? Là! Allons-y! Suivez-moi, je connais un passage. Alors. Intéressant. On essaye ici? Non, je crois pas. Bref, allons voir. Alors, un PDA. D'accord, donc un nouveau. Et là. Ouais. Merci. Ouais. Capsule de survie 7. Membre d'équipage de l'Aurora demande assistance. Allons-y. Où sont-ils? Là-bas. C'est loin, putain. Attention, je suis prêt à faire feu. Hein. Je vous préviens. Hein. Foutez-moi la paix. Hein, parce que là... Ok. Alors, ça c'est glide. C'est bon, il n'y a rien. Hein. Ok, on y va. Hop. Alors, PDA. Ouais. Ah, toujours rien de ce côté-là, malheureusement. C'est dommage. Dommage. Ensuite, point de rendez-vous de l'Aurora. Sombré à plus de 250 mètres. Tiens, on va peut-être faire ça d'abord. Ah oui, plus de 250. Ouais, beaucoup plus même, hein, les gars. Hein, je crois pas que je puisse y aller. 900. Ah. On verra plus tard. Qu'est-ce que. Une surviving radiation. D'accord. Centrale thermique origine. Hein. Bon. Alors ça c'est où? Ok, là-bas on y va. C'est loin, putain. Attention, je vais faire feu, hein. Ah non, parce que là. Salut. Les petits poissons. Ah, tu l'as pas volé, ça là là. Alors, putain, c'est loin. Mon Dieu. Un kilomètre en Seamoth. Ça use pas les batteries, hein. On est toujours à 100%. C'est bien.
Je me demande s'il y a des nouvelles choses là-dedans. Peut-être qu'il y en a. Allez, laissez-moi bosser. Alors par contre, je crois que j'ai pas le cutter laser. Hein, ouais. Non, on va le mettre en deux. On va reprendre le couteau en un. Voilà. Ça va, c'est pas long, hein. Alors, hey, ça fait quelque chose? Que dalle, mais que dalle! Oh là là, mon dieu. Ouais. Alors, une caisse à fourniture, de l'eau, c'est bien. Encore de l'eau, c'est bien. Rien d'autre ici. Oh, on peut sortir par là. Nice. Oh. Ah, il s'est fini plus tôt que prévu, lui, hein. De l'eau. Ouais, de l'eau. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce merlier? On peut pas y aller, mais il n'y a rien d'autre ici. Ouais, c'est là où j'étais. Hein. Ah, il n'y a rien d'autre là-dedans. Non, s'il vous plaît. Non, monsieur. Merci. Non. Non. Bon. Simov, tu es là. Ouais. 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 Est-ce qu'il y a des nouvelles choses ici d'ailleurs? Ah, intéressant de savoir. Non, la nuit est tombée. Ah, par contre, Simoth. Ouais? Parce que je suis trop proche ou. Ouais, d'accord. Alors. 88. Doucement. Ok, par ici. Nous sommes sur le bon chemin. Alors, comment... YOLO ! Ça marche ! Oh ! New PDA data. Voilà. Alors, survivant de l'Aurora, message de rendez-vous. We have to go back out there. Capitaine Gamer. Emergency transmission, Officer Kane 2. D'accord, et d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je n'en ai pas l'impression. Bon. Eh bien. Oh là! Calme-toi, calme-toi. Allez, on va récupérer notre Simoth.
aboard, Captain. Thank you. Bon, ça c'est fait. Pourquoi tu shakes comme ça? Ça va pas, quoi. Ça, c'était pas moi. Donc, point de rendez-vous, machin de l'aura. Ouais, ça. Origine de l'impulsion d'énergie. Deux kilomètres. Je crois que c'est sur l'autre île. Pour ça que c'est aussi loin. Ah, 2 kilomètres quand même, hein. Ok. Le complexe alien. Je ne sais pas si des choses ont été rajoutées là-dedans. Ça me paraît bizarre. Ah, là, par contre, j'ai pas pris, mais... c'est pas... Allez, on se gare ici. Ah! Ça fait flipper, cette merde! Dégage! Ah, il est là. Du lithium. Ah oui, c'est vrai que ça a été redessiné, tout ça. Ah, le lithium, ça peut être sympa, hein. Ouais, ouais, super. Attention, hein, je suis armé, dangereux. Hein. Dépôt de sel. Oh, j'en ai pas besoin. oui, merci. Hop, c'est pas mal. Ouais, origine de l'impulsion, c'est à l'intérieur. Alors, oui, mais... il me faut une autre carte, normalement. À moins que je rentre... Mais... ouais. On va aller voir d'abord de l'autre côté. Parce que là, j'ai que celle-là sur moi. Il faudrait que je fasse un bac à la base, c'est chiant. Putain, c'est plus difficile à voir quand même les ressources. Hein. Plus ici. Hey, salut le Warper. Tiens. Hop là. Alors. What? Alors comme je veux pas faire bugger mon Seamoth, on va... Ouais, voilà. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas censé être sous l'eau, là. Hein. Que... ouais. Mais pas du tout. On n'est pas du tout censé être sous l'eau, là, à ce moment-là. Bah, du coup, Siglid, hein, parce que... Portail, donc, qui n'est toujours pas activé, ici. Ok. Bon, c'est plus facile pour naviguer, hein, clairement, mais... bon. Tiens, oui, ça, je récupère, bien sûr. Toujours, toujours. Alors, c'est plus facile pour naviguer, mais c'est plus chiant au niveau de la respiration, quand même. Hein. Donc, rien de plus ici.
Dépêche-toi. Merci. Bon, un de plus. Là, il faut qu'on se casse, modèle géant. Allez. Quel côté? Par où? Par là? Non. Par là. Ok, 44, si on est bien. Bon. Ouais, parce que là, là on n'est pas censé être solo, là, hein, pas du tout, genre... Ok, bon. Bon, comme ça. Donc ça, l'impulsion, ok. Centrale thermique. Surviving radiation, c'est On a déjà fait celui-là ou pas? Là-bas, ouais, il y a des chances. Hein. Mais t'es encore là, toi? Dégage! Enfin, pas possible celui-là. Oh là, il y a rien de nouveau. Ah! Oups, désolé, ma faute. Excusez-moi. Bon. Ouais, là-bas, ça, on l'a déjà vu. Hein. Et il va falloir aller plus profond maintenant. Hein. Impulsion. Rendez-vous de l'aurora. Sombre à plus de 250. Ouais, et centrale thermique. Centrale thermique, c'est beaucoup plus... Oui. Ouais, on est d'accord. Donc, on va déjà faire l'autre. Où est-il? Là. Et ça, c'est... Ça, c'est où? C'est par là-bas. Ah, et puis il y a l'aurora aussi, allez voir. Dégagez. Je crois qu'il y a un gros méchant qui rôde par ici. Hein. Je me rappelle bien. Faut faire attention là. Hein. Je pense qu'avec le Simoth, on doit pouvoir l'atteindre ici, ouais. Si, si. Où allons-nous? Ok, biome champi. Ah ouais? Non, c'est après. Ah oui, c'est ici, d'accord. D'accord. Ah oui, on est large au niveau des distances. Non mais... Vraiment là. J'aimerais bien visiter là-dedans. On va déjà réparer ça. Welcome aboard, merde. Captain. Ouais, c'est le cutter. Outil de réparation. C'est... Non, s'il vous plaît, merci. Ok. Non. Entrez. Merci. Et hop. Allez, on y va. Donc, ça c'est fermé. Qu'est-ce qu'on a ici? Tech item. Bah oui. Quoi? Qui est d'où? Alors, le jeu est partiellement traduit en français, évidemment, puisqu'il n'est pas terminé. Thank you.
Ne perdons pas le chemin de la sortie. Ta gueule. Tiens, on va manger un petit morceau. Hop. Encore des bouteilles d'eau. Oh, merde. Oh, ça va niveau... What? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y'a rien d'autre ici? Ah! Peut-être par là, oui. Non, je... Merci. Prenons notre respiration. Ok, allez, on y va. Donc par là, je ne vois rien. Merci. Oh, le chemin est long. Ça sent la merde. Qu'est-ce que... Ouais, déjà connu. Ah non, il y a que ça là. Ah, on a récupéré là-dessus, rien. Ça, bon, encore de l'eau, ça va, on a ce qu'il faut, hein. Et ça, encore de l'eau aussi. Ok, bon. Bah, je pense qu'on a tout vu, là. Hein. La sortie. Où est la sortie? S'il vous plaît. Là. On a un petit peu plus de temps pour respirer qu'avant. Hein. Ça se sent. Hein. Avant, on était... Là, on serait déjà en train de suffoquer, je pense. Là, on a beaucoup plus de temps maintenant. C'est... Oui, si, c'est bien. C'est bien. C'est... Oui, si. Oui. Donc, on était en route pour aller là, quand même. Hein. Comment ça, santé 70? Mais je viens de le réparer. Il s'est fait attaquer pendant que j'étais pas là, ou... Oh. Ah. Désolé. Je suis prêt à faire feu, attention. Bon. Ouais. Ok, bon bah... Pas grand chose de nouveau quand même, hein. On va se laisser là pour cet épisode. Dans le prochain, on ira voir l'Aurora et puis évidemment, on ira bien plus profond. Merci à tous d'avoir suivi ce premier hors-série sur ce premier Subnautica. Il y en aura d'autres, bien sûr. Hein. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !